Hey, salut à tous. Aujourd'hui, écoutez, ça va être une vidéo un peu bonus dans la journée dite collection, hein, parce que le lundi, je fais toujours des vidéos sur la collection. Là, on va faire un truc un peu bonus, un peu plus chill, un truc un peu entre nous, voilà, que je pense qu'on a tous, comme vous l'avez vu sur le titre, des tocs de collectionneurs. Voilà, ça va vraiment parler à ceux qui ont des collections. Hein. Donc là, ça va être mes 5 tocs à moi, bien évidemment, de collectionneurs. Dites-moi en commentaire vos tocs à vous, parce que je pense qu'on en a tous. Si vous n'en avez pas, excuse-moi, pardon, excuse-moi, quoi. Écoutez, on pourra en parler, discuter, dire, ah ouais, putain, toi t'es comme ça. Je sais pas, je trouve ça assez intéressant. Chill, on est entre nous, c'est cool. Premier toc de collectionneur, je suis un mec assez complétiste. Alors moi, voilà, je me suis débarrassé de tout ce que j'aimais pas, mais il est vrai que quand il y a des sagas style, je sais pas, Star Wars, où je suis pas très fan de la dernière trilogie, pour avoir le côté un peu complétiste, et je vais faire en sorte bah, de tous les avoir. Voilà, même le 7, 8, 9, que j'apprécie pas non plus énormément, mais complétiste oblige, je veux me choper tous les steelbooks de tous les Star Wars. Pareil pour les Marvel, je vais peut-être en avoir 3-4 que je suis pas très fan dans les 23 films sortis, mais tout de même, je vais essayer de tous me les choper en steelbook. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, mais bon, c'est faisable. Voilà, quand c'est vraiment film unique, effectivement, je me débarrasse quand j'aime pas. Voilà, je suis pas complétiste pour complétiste, mais je suis complétiste de saga, d'univers, ce genre de choses. Voilà, avoir le maximum possible d'une saga que j'apprécie énormément. Deuxième toc pour moi, je protège tout. C'est un enfer. Je protège, bon, les steelbooks, je pense que beaucoup on protège. Je protège mes amarrés, je protège mes laserdiscs avec des pochettes vinyle, je protège mes vinyles, je protège mes CD même. Je suis même en sueur pour vous dire que mes coffrets, je puisse pas les protéger. Je protège tout ce qui bouge. Voilà, donc les trucs qu'on ne peut pas protéger, je peux pas, mais je protège au maximum de ce que je peux protéger. Et ça, c'est un sacré toc que ça. Je suis pas au point des gants pour toucher mes steelbooks, mais hein, c'est chirurgical quand j'ouvre un steelbook. Hein, je suis en mode. C'est compliqué quoi. Après, ça se trouve dans des sites allemands, il me semble. Donc, il y a des prix apparemment assez intéressants dans les sites allemands. Moi, je sais pas, je fais ça avec un pote, c'est mon pote qui me les prend. Voilà. Moi, je m'arrange avec lui. Mais très pratique, très pratique. Et je sais pas, je trouve que ça fait vraiment collection de protéger. Je fais un truc, je suis un mec qui fait tout le temps des listes, ça soit pour moi. Hein, sur Amazon et tout, et je le fais aussi pour les amis, la famille et tout, pour les anniversaires, les Noël et tout. Alors déjà parce que j'aime bien faire des listes, mais il y a toujours le côté aussi, au moins on est sûr, ils vont pas se tromper, ils vont prendre un truc que tu as choisi. Donc quelque part, s'ils prennent un truc, voilà, de ta liste, si t'aimes pas, c'est ta faute. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà, je suis un peu fou des listes, je fais des listes dans tous les côtés. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Mais voilà, au moins, je suis sûr que ma collection, elle va être comme je l'aime, avec des. Il n'y aura pas de doublons, moi. Voilà, parce que c'est vrai que quand on a une collection comme ça, on peut vite aller dans les doublons. Mais là, au moins, je suis sûr à 100% qu'on prend quelque chose que j'aime. Et je suis capable de rechercher des heures et des heures un article que je veux absolument. Dans les sites, n'importe quel site, je vais sur Google, bam, bam, je recherche à bloc parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux énormément, mais des fois qui sont cotées. Alors je peux passer des heures et des heures pour dénicher justement la petite perle un peu rare, voilà, mais à un prix correct et c'est toujours délicat. Et donc je passe des heures, je négocie. Ah, moi je suis un négociateur à mort. Hein. Ceux qui disent, c'est pas bien de négocier, je négocie à bloc. Je sais mon argent, je fais ce que je veux, voilà. Donc voilà, je suis comme ça, c'est un de mes tocs. J'aime prendre du temps à faire ça sert pas à grand-chose. Comme la collection, quelque part, ça sert pas à grand-chose. Je pense que si vous êtes dans cette vidéo-là, c'est que vous êtes dans mon cas. Voilà, vous êtes collectionneur. Et dernier toc, dans ma collection, comme vous pouvez le voir, je fais en sorte que chaque chose soit à sa place. Je veux que chaque pièce de ma collection, infime qu'elle soit, elle soit mise en valeur. Effectivement, des fois il y a des steelbooks et des amarrés, je suis obligé de les mettre en tranches. Voilà. Mais au maximum du maximum, je fais en sorte que ça soit mis en valeur. Voilà, que même la petite pop, elle a son petit endroit pile poil. C'est là qu'il y sera. Parce que moi, quand j'enlève tout, et que. Parce que des fois, voilà, voir qu'on rajoute des choses, elle est plus trop comme on veut. Donc des fois, voilà, j'enlève tout et je refais tout, je me refais un meuble comme j'ai envie. Voilà, donc là au moins ça devient plus épuré et je m'éclate à faire ça. J'adore faire ça, mais je passe des heures parce que je me dis, oh, cette pièce-là, je veux qu'elle soit bien mise en avant et tout, et ça, c'est un vrai toc. Et il y a un truc, c'est que dans ma collection, une fois que j'ai fait ça, voilà, moi dans ma collection, vous m'enlevez un truc, un Blu-ray, n'importe, je sais. Je sais qu'on me l'a enlevé. Je la regarde tous les jours, je sais quelle pièce et à quel endroit. On m'a enlevé un truc, je suis en mode, bizarre, et je ne l'avais pas mis là, lui. Oula, oula, il manque un truc là. Je sais d'avance. Sacré troc. On a des vrais problèmes. Hein.
On est malade, je crois. On est vraiment des malades mentales. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo très chill, très courte. J'avais vraiment envie de faire une vidéo simple, mais je sais pas, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, putain, j'ai de sacrés tocs. Et je pense pas être le seul. Dites-moi dans les commentaires si je suis pas le seul. Parce que je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. On parle en commentaire. Allez-y, like, abonnement, petite cloche. On s'éclate. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!